L'amour est une construction intelligente de deux personnes sages qui décident d'être amis, compagnons, complices, camarades et sont de bons amants. Que malgré les problèmes, les incompréhensions qui ne manquent pas, choisissent chaque matin de continuer à marcher ensemble au long de la vie. Sachez aussi que ce n'est pas l'amour, aussi merveilleux soit-il, qui permet à deux êtres qui s'aiment de rester ensemble dans la durée d'une vie. C'est plutôt la qualité de la communication entre les deux partenaires, la richesse des échanges et la vitalité des partages qui nourriront leur relation et la maintiendront vivante. Aimer, c'est laisser l'autre être lui-même sans l'obliger à s'adapter à notre image. Sinon, nous n'aimons que le reflet de nous-mêmes que nous voyons en lui, car la relation se vivifie parfois de différence. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin. Ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV. Le taux d'admissibilité au brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2024. Partage des gros titres à la une des parutions de ce matin, ainsi que la tenue de l'assise extraordinaire et internationale des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Partage des gros titres à la une des parutions de ce matin. Vous en saurez davantage dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter avec beaucoup de plaisir, ainsi que dans le bulletin matinal d'information qui ce matin est présenté par Francis Farami. Vous aurez à suivre dans sa présentation le démenti du porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfred Léandre Mbouidji, au sujet de la supposée démission du directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, Pascal Niamoulenda. Quelques citoyens de la ville de Cotonou apprécient la reconduction de Bola Ahmed Tinubu à la tête de la CEDEAO. Cela sera également au menu de la du bulletin matinal d'information de ce matin. La page des sports de ce matin est présentée par Jordan Tchatché. Il aura à nous parler de Ainovi FC Football Club, bien évidemment, qui participe à la 4e édition du tournoi qualificatif de l'UFOAB. Le Dico des sports présente un nouvel élément sur l'escrime, une signature de Leandro Kodoto Afodé. William Chrysostome fait l'état des lieux de l'escrime au Bénin. Cela sera également au menu de la page des sports. La définition du jour de ce matin est une présentation de Yass Minatumboto Asani. Être le mentor de quelqu'un sera exposé et détaillé au cours de sa présentation. Le prénom du jour, une présentation de Clémence Benou. Le prénom du jour qui sera présenté ce matin est Abel. Et juste après elle, on aura droit aux trucs et astuces avec Atifa et Itayo Olafa. Ce matin, elle nous propose 8 méthodes efficaces pour enlever les bouloches de ses vêtements. Juste après elle, Diane Kouagou sera installée, ou elle sera déjà même d'ailleurs sur le plateau avec Atifa Olafa pour nous présenter les prévisions astrologiques. Les natures du signe Bélier paraissent les plus favorables pour le compte de ce 9 juillet, autant pour moi 2024. Il est prédit une journée productive. Il est recommandé d'avancer sur des projets importants qui vous tiennent à cœur. Et en fin d'émission, chers amis internautes, j'aurai installé pour vous le panel de discussion. Les intervenants sont Carles Kitomé, Kanté Amoussou, Anel Dourou et Atifa Olafa. La thématique du jour, c'est être ami avec une fille que l'on a draguée et qui n'a pas accepté pour ou contre. C'est une interrogation à laquelle les différents panélistes auront à répondre au cours du débat. Voilà l'essentiel à retenir de l'ossature de l'émission de ce matin, chers amis internautes. Juste après la capsule vidéo qui vous vante les mérites de l'ESAE, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromédé, à Papa, à Boumekalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Infoline
Ezaou Gbetourmédé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho. Ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa. Au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi. Au plus 229 52 88 44 44 Parakou. Au plus 229 52 46 12 12. EZAE, l'excellence a un nom. Chers amis internautes, nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur qui ce matin nous propose en manchette situation tendue entre le Bénin et le Niger. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, soutient la médiation. Le Canard mentionne que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest veut s'impliquer dans la crise entre le Bénin et le Niger. Lors de son dernier sommet, la communauté a décidé de soutenir tous les efforts de médiation. Retrouvez un compte rendu plus exhaustif dans les colonnes de sa parution, précisément à la page 3 de sa livraison de ce matin. Brevet d'études du premier cycle BEPC session de juin 2024. Le taux d'admission et les observations vous sont exposés à la page 6 de la livraison de ce mardi matin. Jumelage du festival Zogbin et de la fête des Wegbo Yohonu, union du passé et du présent pour révéler le Bénin. Retrouver l'agenda des festivités, des manifestations dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Retrouver dans les mêmes colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'EZAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien national d'information ce matin en manchette s'intéresse à la lutte contre le terrorisme, des recommandations pour plus d'efficacité, lesquelles recommandations vous sont présentées à la page 3. Résultat de l'examen national du BPC 2024 sont 13,74% d'admissibilité. On peut lire également à la une de la Nation de ce matin, politique commune sur la migration et le développement. Cotonou abrite une réunion d'évaluation. Retrouvez l'agenda en page 11. Nous passons à présent à Fraternité qui parle de saison des pluies. Le calvaire des drépanocytaires, risque d'infection pulmonaire et respiratoire. Le miel, un allié sûr, rapporte Le Confrère. Retrouvez le fruit de ses investigations à la page 3 de sa livraison de ce matin. On peut lire également à la une de Fraternité de ce mardi, proclamation des résultats des examens de fin d'année. Sont 13,74% de réussite au BEPC, une hausse de 4,53%, plus de larmes de joie que de tristesse, écrit noir sur blanc Le Canard avant la délibération du baccalauréat, peur et impatience chez les candidats. On passe à présent à Le Matinal. Ananas béninois refoulé en France, ce qui est reproché à l'ex-directeur général de l'ABSA. Le Canard nous apprend que depuis quelques jours, il est agité au sein de l'opinion publique nationale et internationale que l'ananas béninois est refoulé en France pour contamination chimique ou excès de pesticides. Sur la radio Mono, le week-end écoulé, le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Yandoubedi, a réagi à cette polémique et a mis l'accent sur les mesures prises par le gouvernement pour situer les responsabilités. Il a aussi profité de l'occasion pour mettre au goût du jour les reproches à l'ex-directeur général de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, Abissa Epiphane Hossou. Retrouvez le compte rendu de la rédaction à la page 2 de sa parution de ce matin. Le deuxième de titre à la une de Le Matinal fait état de ceci, je cite, médiation des anciens présidents béninois dans la crise avec le Niger. Soglo en avait parlé avec Talon. Ce sont les confidences du porte-parole du gouvernement. Fin de citation. Retrouvez la transcription de ces propos tenus par Wilfried Léandre Rungbeji à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une, échouage du navire SPSL Udemy à Fidjrousset. L'équipage, deux officiers de la marine et un commissaire de police écroué. Ce qui leur reprochait vous est exposé à la page 4. Matin Libre, quant à lui, parle de la
la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sous son 5e session ordinaire de la conférence des chefs d'État. Patrice Talon, une absence, 1000 interrogations. Retrouvez les différentes interrogations de la rédaction à la page 2, autant pour moi, à la page 3 de sa livraison de ce matin. Cour constitutionnelle, Dorothée Sossa, président de la haute juridiction, et Aminatou Sarr échange sur les élections de 2026. Retrouvez le compte rendu des échanges à la page 9. Vision nationale Bénin 2060, des orientations sur la marche à suivre qui vous sont présentées à la page 2 de la livraison de ce matin. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste parle de l'entretien avec Donick Bokone sur Accent UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Je cite, la directive va permettre de percevoir des sommes pour aider les artistes. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de cet entretien exclusif aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce matin. Transfert de fonds vers l'Afrique subsaharienne, l'envoi d'argent des migrants au pays estimé à 690 milliards de dollars en 2024. Les statistiques vous sont exposées en détail dans les colonnes de la livraison de ce matin. Le confrère du quotidien Nassiara, la mort du détenu politique Radi Latif suscite des réactions. La conscience des justiciers interpellés, retrouvée des précisions sur l'article du journal dans les colonnes de sa livraison. Le quotidien L'Observateur publie ce matin dans les kiosques. Prise en charge intégrale des dialysés par l'État, les députés adhèrent à la proposition du président Hippolyte Arondémé. La maladie rénale, une des priorités sanitaires du président de Bénin 26-2026. Retrouvez des précisions sur le titre du canard dans les colonnes de sa parution de ce matin. Gaskiani Info quant à lui. Retrait des États sahéliens de la CEDEAO et cas de la Grande-Bretagne, la famine clignote. Retrouvez des précisions sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le pays émergent ce matin à sa une. Agenda de la Fédération béninoise de volleyball. La FBVB fait le point de la première phase du championnat professionnel et parle des autres activités inscrites au programme de cette année. Le Bénin retenu pour abriter la Coupe des Nations en hommes et dames des U17 de la zone 3. Décryptage info quant à lui. Recette non fiscale dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Forte performance du Bénin au premier trimestre 2024. Cour constitutionnelle. Décryptage info se veut plus informatif à sa une. La coordonnatrice résidente du SNU au cabinet du président Dorothée Sossa. Les élections générales de 2026 préoccupent le SNU. Il s'agit bel et bien du système des Nations Unies. Retrouvez le point de leurs échanges dans les colonnes de la livraison de ce matin. Soleil Levant s'intéresse à la proclamation des résultats de l'examen national du BEPC et brevet d'études du premier cycle, session de juin 2024. Près de 74% de réussite au BEPC. Une progression significative par rapport à l'année précédente fait observer le canard. Les chiens aboient. Les réformes du président Patrice Talon passent avec vitesse, communique-t-il. Le Canard parle également d'urgence humanitaire au Bénin. Au secours, s'exclame-t-il à trois reprises. Les dialysés en détresse nécessitaient d'une prise en charge totale des patients par le gouvernement. L'emblème du jour pour boucler ce matin, délocalisation du marché international de Dantokpa. Le gouvernement parle du projet qui sera implanté sur le site. Retrouvez les propos tenus par le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji. Une transcription est proposée à la page 10. Coopération renforcée. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, nomme Bassirou Diomaye Faye et Fort Yassimbe facilitateur avec l'Alliance des États du Sahel. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports. Le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Farami, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Jordan Tchapchette. Bonjour Kader. Merci d'être là pour la page des sports. Nous démarrons le bulletin matinal d'information avec vous, Francis Farami, par le taux d'admissibilité au brevet d'études de premier cycle, BEPC, session de juin 2024. En effet, à toutes et à tous, bonjour. La délibération de l'examen du brevet d'études du premier cycle, BEPC 2024, a eu lieu hier lundi 8 juillet. L'examen du BEPC session de juin 2024 enregistre un taux d'admissibilité de 73,74% contre 69,61% en 2023.
Les candidats peuvent accéder aux résultats sur les plateformes e-résultats et EducMaster. Et on note 124 860 candidats, dont 61 696 filles qui ont préparé à l'examen du BEPC session de juin 2024. Le porte-parole du gouvernement, Wilfred Yangwedji, a démenti la supposée démission du directeur général de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. Le chef de l'État n'a reçu aucune démission. Moi aussi, je n'ai pas eu connaissance de cette démission, a confié le porte-parole du gouvernement béninois Wilfred Yangwedji dimanche dernier sur une émission de radio Trade Union. La supposée démission du Rwandais Pascal Nyamulenda à la tête de l'ANIP a été annoncée sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Et nous passons à présent à la commission thématique agriculture foncier, aménagement du territoire, environnement et climat de l'Association nationale des communes du Bénin NCB qui a effectué sa première session de l'année du mercredi 3 au jeudi 4 juillet. C'est exact. Pour ce premier acte, les membres de la commission ont mené des réflexions sur l'écotourisme, le point dans ce reportage signé Analdo. Vers un écotourisme équilibré entre les régions, quel potentiel d'attractivité, de territoire et de développement économique pour les communes du Bénin? C'est la thématique qui a réuni les maires et les cadres communaux à la première session de la commission agriculture, foncier, aménagement du territoire, environnement et climat de l'Association nationale des communes du Bénin. L'écotourisme en tant que forme de tourisme durable se rapporte à la visite des régions naturelles relativement intactes et contribue à la conservation de la biodiversité tout en apportant des bénéfices économiques aux communautés locales. Cependant, pour que ce potentiel soit pleinement réalisé, il est essentiel de surmonter certains défis. Le manque de cadre juridique spécifique et de planification adéquate a souvent freiner notre capacité à maximiser les retombées positives de l'écotourisme. C'est pourquoi, depuis notre première session en 2021, nous avons œuvré à élaborer une feuille de route claire et à initier des réflexions approfondies sur l'aménagement du territoire et l'attractivité de nos régions. Cette thématique inédite a reçu une participation collective et des échanges bien nourris. Comme vous l'avez constaté par rapport à nos recommandations, c'est un thème qui a beaucoup intéressé les participants parce que c'est un peu un thème nouveau qui est sorti des sentiers battus. Donc ce n'est pas ce que nous faisons habituellement, ce que nous connaissions. Et on a trouvé que nos communes pourront tirer beaucoup de choses de l'écotourisme. Ces travaux ont duré 2 jours et ont permis de mener des réflexions pour le développement de l'écotourisme au Bénin. La ville de Cotonou abrite depuis ce lundi l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones, AIRF. En effet, du lundi 8 juillet au samedi 13 juillet 2024, la ville de Cotonou abrite 2 événements majeurs. Il s'agit de l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones d'une part et les rencontres Africa qui auront lieu au Palais des congrès de Cotonou d'autre part. En prévue de ces activités, le maire de la ville d'Abomey-Calavi, Angelo Awandjinou, a levé un coin de voile sur le contenu de ces rendez-vous le samedi 6 juillet 2024, suivant le micro de Anado. Du 8 au 13, Cotonou sera donc la capitale de la francophonie économique. Nous aurons donc 2 événements importants. Il y aura la rencontre Africa qui regroupe des grands opérateurs économiques au plan international qui viendront rencontrer ici les opérateurs économiques, les entrepreneurs du Bénin pour des échanges B2B. Couplé à cela, l'Assemblée internationale des régions francophones, l'ARF qui a été créé en 2002 en France, à Lyon, par des régions francophones et qui également va tenir son assemblée générale ici à Cotonou, puisque les intercommunalités du Bénin y sont membres. Nous avons au total 8 intercommunalités qui sont membres de l'ARF. Bien que nous n'ayons pas de région au Bénin, les statuts de l'ARF permettent aux intercommunalités d'y adhérer. Alors,
Les intercommunalités du Bénin sont donc représentées au bureau de l'ARF par ACAL, l'association des communes de l'Atlantique et du littoral, représentée par le maire de Tori, Rogatien Akouakou, et l'ANCB, l'association nationale des communes du Bénin, représentée par Luc Sertondier à Tropo, le maire de Cotonou. Alors, l'ARF prône le développement économique des collectivités et des régions qui la constituent. C'est fort de cela qu'un partenariat a été signé entre elles et les Rencontres Africa pour permettre à ces collectivités et régions qui ont besoin des financements, qui ont besoin des équipements, des études, qui ont besoin de se développer, de rencontrer donc des sociétés, des entreprises qui ont la potentialité de répondre à leurs besoins. D'où Rencontre Africa et l'ARF qui se tiennent simultanément à Cotonou au Palais des Congrès. Alors, il y aura donc plusieurs activités. Il y aura des conférences et débats sur les différentes potentialités que, dont nous avons besoin ici au Bénin pour le développement économique de notre pays. Il y aura des rencontres entre des échanges économiques entre les entreprises internationales et celles locales. Il y aura des visites guidées au niveau de la zone spéciale économique de Glodjigbé, la GDIZ, et la visite des sites touristiques de Ouida, couplée avec des conférences débats. Et il y a même le lancement officiel qui sera donc fait par les ministres béninois. Le ministre du Commerce se chargera de l'ouverture de l'Assemblée des rencontres Africa, et celle de l'ARF sera donc officiellement lancée par le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, M. Akotayon Raphaël. Donc les collectivités territoriales du Bénin y sont également associées. C'est l'ACAL qui a organisé la rencontre, puisque la dernière fois c'était au Cameroun, cela a eu lieu. Et ACAL a sollicité que cette édition se déroule à Cotonou, un appel qui a reçu écho favorable au niveau des membres du bureau de l'ARF. Donc aujourd'hui, au Bénin, les maires sont invités, les élus locaux sont invités, les fêtières sont également attendues, les entrepreneurs du Bénin y sont également invités, sont associés à ce qui se fait du 8 au 13 au Palais de Congrès. Ces deux rencontres sont capitales pour notre pays et apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup de profits pour le Bénin. Le Bénin qui s'est déjà révélé en matière d'organisation des rencontres internationales. Nous avons la IMF qui a eu lieu ici, et également une rencontre internationale des jeunes par le biais de UNFPA, également qui a été organisée avec brio en 2023, en 2024. Nous avons a organisé beaucoup de rencontres internationales. Cette fois-ci, c'est le tour de l'ARF et qui va apporter beaucoup de plus-value au Bénin. Les hôteliers qui vont en tirer profit, les restaurants qui vont en tirer profit, les opérateurs GSM, les conducteurs. Donc, c'est une chaîne, les artisans, les artistes, c'est une chaîne de développement économique. Ajouté à tout ça, les profits que les collectivités territoriales auront aussi attirés avec des partenariats entre d'autres collectivités. Pareil pour nos opérateurs économiques qui, grâce aux échanges B2B, auront beaucoup de contrats à conclure, auront beaucoup d'opportunités. Tout ceci concourt au développement de notre pays. Notre appel est que tous ceux qui sont concernés, que je viens de citer, soient effectivement présents à ces rencontres B2B pour de très bonnes relations, de très bonnes coopérations sud-sud et nord-sud pour un rayonnement de l'économie béninoise. Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu a été reconduit à la tête de l'institution sous-régionale, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. En effet, c'était le dimanche dernier lors du 65e sommet des chefs d'État tenu à Abuja, une décision qui suscite des réactions au sein de l'opinion publique en raison du bilan
du président nigérien à la tête de la communauté. Au micro de Kanté Amoussou, quelques citoyens béninois se sont exprimés. Suivons ensemble. Le rôle de Bola Tinubu en ce qui concerne la CEDEAO, moi je ne pense pas que son rôle a pu avantager notre pays. Après tout, je suis un Béninois. Et si la CEDEAO commet des actes ou bien prend des décisions qui ne m'avantagent pas, je ne peux jamais l'apprécier. Donc là, reconduit Bola Tinubu. Pourquoi? Quelles sont les avancées de la CEDEAO après dans son mandat? Je ne sais pas. Nous avons vu les tergiversations de Tinubu dès le premier tour de son arrivée. Le deuxième tour, on va s'attendre à quoi? Peut-être il a maintenant, Tinubu a la maîtrise. Il a la maîtrise actuelle pour pouvoir mieux gérer la CEDEAO. Mais je demande, monsieur le président Tinubu, la CEDEAO a besoin des réformes structurelles pour que le peuple qui constitue la CEDEAO sente la CEDEAO réellement, telle qu'elle est là. C'est le peuple qui souffre. Ça veut dire que les ENA qui va venir encore, on va rester encore au même poste. Donc je veux quelqu'un, si par exemple si c'était le président sénégalais, le président nouveau sénégalais qui était là maintenant, vraiment je pense qu'il y aura une innovation à la CEDEAO. Mais si on reconduit encore Tinubu, et l'Afrique de l'Ouest va encore rester les ENA sans bouger. Le président du Nigeria, voilà, Ahmed Tinubu, a été reconduit. Malgré un bilan décevant, cette première année-là, Tinubu n'a pas pu faire grand-chose. Donc, certainement, pour la seconde année, il pourra faire quelque chose. Ça, là, je suis d'accord. Parce que ce que lui voulait faire, ça n'a pas marché. Or, il venait d'arriver aussi. Donc, on peut lui donner un peu de temps pour voir ce qu'il peut faire. Donc, le fait qu'il soit reconduit, c'est pas mal aussi. Les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont signé l'acte constitutif de la Confédération des États du Sahel. En effet, les trois dirigeants militaires se sont engagés samedi dernier à renforcer leur coopération dans plusieurs domaines. Quelques citoyens de la ville de Cotonou apprécient cette rencontre au micro de Kanté Amoussou. Ils sont devenus une confédération maintenant. C'est le président du Mali qui assume la présidence tournante. Et il quitte la CEDEAO. Je pense que, vous avez vu, il y aura des conséquences. Ce n'est pas bon, parce que quand on est ensemble, on préfère soit ensemble les 15 pays là. Avant c'était 16, la Mauritanie est partie, et maintenant on est 15. Trois pays vont encore partir et ça va rester 12. Et je pense que moi, je ne peux pas me réjouir. C'est une très bonne chose. Je les encourage. J'apprécie bien d'abord ce que ces trois pays appelés AES sont en train de faire dans leur Sahel là-bas. On apprécie bien. Je crois que ce n'est pas des enfants, c'est des militaires. Ils ont voulu créer une banque d'investissement qui va les aider. Parce que vraiment, il faut ça pour eux, qu'ils puissent s'en sortir. Parce que s'ils sont venus jusque là aujourd'hui, c'est eux qui savent ce qui se passe à leur niveau. Je veux parler du Mali, du Burkina et du Niger. Ils se sont réfléchis pour dire, nous qui sommes au Sahel, nous allons nous mettre ensemble pour pouvoir grandir sur tous les fronts. Et chercher aussi à faire la libre circulation des personnes et des biens dans ces trois pays. Quand tu es avec quelqu'un et tout le temps qui te décourage, je pense que il faut quitter et s'organiser autrement. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes là pour voir l'évolution des faits des choses. Parce que aujourd'hui, s'ils décident de se mettre ensemble pour réaliser quelque chose. Moi, je demanderais à ce que nous observions. Je demanderais à ce qu'on observe, qu'on voit jusqu'où ça peut aller. Pas de conclusion, on ne peut pas dire ça va marcher, ça ne va pas marcher aujourd'hui. Moi, je ne suis pas là.
il y a toute chose, il faut décider de faire quelque chose, de commencer la chose. Et avec le temps, on corrige l'état et ce qui ne va pas. Merci à vous, Francis Fahamy, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez en plateau. On retrouve Jordan juste après ceci pour la page des sports. La page des sports avec vous, Jordan Chapchet. Bonjour. Bonjour, Kader. Le club Ainovi Football Club participe à la 4e édition du tournoi qualificatif de l'UFOA B. C'est cela, la 4e édition du tournoi qualificatif de l'UFOA B de la Ligue des champions des clubs féminins va se dérouler du 10 au 23 août 2024 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le Bénin sera une fois encore de la partie. Sacré championne du Bénin au terme de la saison 2023-2024, Ainovi FC sera en terre ivoirienne pour participer à ce tournoi qualificatif ouest-africain des clubs. Le club de la capitale béninoise est donc l'une des 7 équipes attendues pour cette compétition. Il faut noter que le champion à l'issue du tournoi va représenter la zone UFOA-B pour la prochaine édition de la Ligue des champions des clubs du continent africain. Le Dico des sports présente un nouvel élément sur l'escrime. La série Escrime se poursuit sur ESAE Télévision avec le dernier numéro. A cet effet, William Chrysostome, directeur technique national, présente cette discipline au micro de Leandro Kodo Toafode. L'escrime, comme définition simple, c'est un sport. Mais c'est un sport de combat électronique qui permet de toucher son adversaire sans se faire toucher avec des armes. Ou on peut toucher en estoc ou en taille. Avec trois catégories d'armes. Où nous avons l'épée, le fleuret et le sabre. Et quand je prends l'épée par exemple, et on touche de la tête jusqu'au pied. Et ça, je rentre en même temps dans la pratique de ce genre de sport. On touche de la tête jusqu'au pied. Et là, deux personnes, deux adversaires, c'est-à-dire deux concurrents, peuvent se toucher ensemble. Et on dit coup double. Quant au fleuret, c'est aussi une arme d'escorte, mais ça a une particularité. La particularité, elle est régie par une priorité. Et ce qu'on appelle priorité, c'est que quand on vous dit en garde, prêt, c'est comme au football, et on vient centrer et l'arbitre donne le coup d'envoi. Donc ici, l'arbitre aussi, il y a aussi un arbitre qui dit en garde, prêt, allez. Et quand on dit ça, c'est le premier qui démarre vite, c'est lui qui a la priorité. Et là, on ne touche pas de la même façon. Là, on touche seulement à partir de la bavette ici et le buste. Les bras ne sont pas dedans. Ça, c'est pour le fleuret. Maintenant, pour le sabre, maintenant, on touche la tête, le buste et les bras. William Chrysostome fait l'état des lieux de l'escrime au Bénin. Toujours en escrime, William Chrysostome fait l'état des lieux de la discipline du sabre, de l'épée et du fleuret depuis sa création en République du Bénin. Nous étions au Maroc pour la Coupe d'Afrique senior au Maroc. Mais nous n'avons pas assez de seniors, nous n'avons que ce senior. Donc, ce qui fait que nous avons surclassé les juniors pour pouvoir remplacer les seniors parce que nous sommes en déficit de seniors. Donc nous avons surclassé les juniors en place de tout là. Mais laissez-moi vous dire, ils ont quand même tiré leur épingle du jeu. Et les poulains, les escrimeurs béninois sont allés compétit au Nigeria et ils ont eu des médailles. Et la toute dernière fois pour notre préparation, le président de la Fédération Béninoise d'Escrime a voulu qu'on ait participé à un tournoi au Togo. Mais on est revenu avec des médailles. On est revenu avec des médailles en or, des médailles en bronze, des médailles un peu de tout. On a eu au moins 9 médailles. On est revenu avec 9 médailles. Donc vous voyez, donc voilà. Et à cette allure où on va, je pense que d'ici 5 ans, Et je ne vais pas aller trop vite en besoin. Je pense que d'ici 5 ans, on risque de tutoyer même les champions et être au podium. Et des mini-championnats à l'interne et en décembre, faire une phase finale. Et la phase finale, ceux qui vont sortir
dans les trois catégories, dans les comment appelle, premier, deuxième, troisième, dans toutes les catégories. Ce sont eux qu'on va entraîner et mettre un accent sur l'entraînement pour les prochaines compétitions au niveau de l'international. Donc je pense que c'est la petite réforme qui est en train de se confiner avec le président de la Fédération béninoise d'escrime au niveau de l'escrime. La piste ASEC Mimosa se confirme pour Romaric Amoussou. En effet, les tractations se font avant la reprise du championnat national au Bénin. Selon les informations, l'avant-centre béninois Côte du Coton FC, Romaric Amoussou, devrait évoluer dès la saison prochaine avec l'ASEC Mimosa à Abidjan en Côte d'Ivoire durant les deux prochaines années. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. Ceci d'Almeida signe à Chypre. Oui, son contrat avec Pau FC arrivé à expiration. L'international béninois Ceci d'Almeida est attendu du côté de Apollon FC en Chypre. En effet, le FC Apollon a annoncé le lundi 8 juillet 2024 via le réseau social X avoir trouvé un accord avec le milieu défensif béninois pour un contrat de 2 ans, soit jusqu'en 2026. C'est après 2 années bien remplies à Pau FC, en deuxième division française, que Ceci d'Almeida va rejoindre le championnat chypriote. Merci à vous, Jordan Chapchet, pour cette présentation de la page Esport. Merci pour cette présentation. Merci une fois encore à vous, Francis Faramé, pour la présentation du bulletin matinal d'information. À présent, chers amis, je vais appeler en plateau Yasminat Mboto Hassani pour la définition du jour et Clémence Guénou pour le prénom du jour. Mboto Hassani, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bonjour à vous, Clémence Benou. Bonjour. Merci de l'être là pour le prénom du jour. Être le mentor de quelqu'un, Yasminat Mboto Hassani. Amis internautes, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce matin pour la définition ou l'expression du jour. Être le mentor de quelqu'un. Amis internautes, on parle souvent de mentor pour désigner celui qui est le guide ou le sage de quelqu'un. Ce dernier joue un rôle de conseiller unique. Il s'agit d'un antonomase puisque mentor est un héros de l'Odyssée et ami d'Ulysse. Au moment de partir pour la guerre de Troie, ce dernier le désigne comme précepteur de son fils Télémaque afin de veiller sur lui. Un récit que Fénélon rendit célèbre en 1699 dans les aventures de Télémaque. Amis internautes, retenons tout simplement qu'il est important d'avoir un mentor dans la vie. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Merci à vous, Yasminat. Vous avez un mentor? Oui. Oui. Merci pour cette présentation. Clémence, bonjour à nouveau. Bonjour, Karine. Alors, on parle de Abel, voilà. Oui. Allez-y. À nouveau, bonjour. Comme Kadel avait bien annoncé, le prénom de ce jour est Abel. Alors, ce prénom est d'origine hébraïque et il vient de Abel, ce qui signifie souffle. Tous les Abel ont leur fête le 5 août. Au sein des prénoms qui leur sont associés, on trouve Abel. Abel a un point faible et peut être un brin obstiné tout en étant quelqu'un d'ouvert d'esprit. Et il n'a pas peur de se mettre au défi. Il apprécie les nouveaux jeux et il aime découvrir de nouvelles choses et n'aime pas l'ignorance. En amour, Abel est fidèle et envisage sans problème de passer toute sa vie avec la même femme. Cela lui semble logique et évident. En cas de déception amoureuse, il aura sûrement beaucoup de mal à refaire surface et aller de l'avant. C'est pourquoi il regarde souvent l'amour avec appréhension et a besoin d'être rassuré. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Clémence, pour cette présentation. Est-ce que vous connaissez un Abel? Oui, deux. Deux Abel. Et est-ce que les Abel là ont ces caractéristiques là que vous venez de présenter à nos amis internautes? Oui, c'est vous direz oui. Yasminat, pareil? Non, pas. Ils n'ont pas la même caractéristique. Ils sont comment les Abel que vous connaissez? Un peu arrogant. Un peu arrogant. Merci à vous, Yasminat Mboto Hassani. Merci à Clémence Guénou pour vos différentes présentations. À présent, j'appelle en plateau Atifa et Itayolafa et Diane Kouagou pour la définition du jour et les prévisions astrologiques.
Les trucs et astuces, autant pour moi, les trucs et astuces avec Atifa Olafa, bonjour. Bonjour à vous, Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à Oudiane Kouabou. Merci d'être là également, Atifa Olafa, ce matin. L'astuce du jour, c'est 8 méthodes efficaces pour enlever les bouloches de ses vêtements. C'est bien cela. Bonjour, chers internautes. Ravi de vous retrouver ce mardi. Enlever les bouloches sur un manteau, un pull ou toute autre pièce de son dressing, c'est mission possible. Avec des bonnes astuces et du bon matériel comme un rasoir, anti-bouloche, vous pouvez venir à bout de ces peluches disgracieuses. Voici donc 8 étapes à suivre pour enlever les bouloches de ses vêtements. 1. Laver ses vêtements à l'envers pour éviter les bouloches. C'est beaucoup moins fragile si les mailles sont à l'intérieur et non à l'extérieur. 2. Gardez les vêtements délicats loin de vos vêtements moins fragiles. S'ils se frottent les uns contre les autres, il n'y aura qu'un seul perdant, et bien c'est votre pull, votre manteau ou votre pièce préférée. 3. Préférez le lavage à la main, c'est la façon la plus douce de laver n'importe lequel de vos vêtements. 4. Séchez ces vêtements à l'air libre pour enlever les bouloches. 5. Ignorez le sèche-linge à tout prix. La chaleur et le frottement provoquent le boulochage, donc l'éviter autant que possible est la meilleure solution. 6. Brossez régulièrement ses vêtements à l'aide d'un rouleau à charpie ou d'une brosse à vêtements spéciale. Avant-dernière méthode, essayez d'utiliser un rasoir à tissu électrique sur le réglage le plus délicat, plutôt que des ciseaux qui pourraient être plus susceptibles de causer des dommages irréversibles. Dernière méthode, 8. Assurez-vous juste que vous êtes concentré et que vous travaillez avec de la bonne lumière. Voilà, chers internautes, c'est l'essentiel à retenir de l'astuce du jour. Merci et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa. C'est quoi les bouloches? Les bouloches, c'est ces petits boules qu'on remarque sur les tenues, peut-être après le lavage, ou un peu comme des poils sur les vêtements. Lorsque le textile également est en phase d'usure. Merci à vous, Atifa Olafa, pour rester avec moi en plateau. À présent, on va suivre les prévisions astrologiques avec Diane Kouagou. Diane Kouagou, bonjour à nouveau. Bonjour, Kavou. Que prédisent les astres à nos amis internautes ce matin? De très bonnes choses. Allez-y, à vos antennes. À nouveau, bonjour chers amis internautes. Pour ce 9 juin, on parle de l'aspect travail. Alors, Bélier, une journée productive vous attend. Profitez-en pour avancer sur les projets importants. Taureau, vous pourriez être confronté à des défis au travail, mais ne vous découragez pas. Les natifs du signe Gémeaux, la communication sera la clé de votre réussite. Les amis Cancer, il est temps pour vous de mettre en avant vos compétences et de faire valoir vos réussites. Pour les Lions, le leadership naturel vous permettra de mettre en vos projets avec succès. À présent, avec amis Balance, l'équilibre entre professionnel et personnel sera essentiel. Les Scorpions, restez ouverts aux changements et aux nouvelles perspectives. Quant au Sagittaire, votre optimisme et votre enthousiasme seront contagieux. Les amis Capricorne, la patience et la persévérance seront vos alliés. L'avant-dernier signe du zodiaque Verseau, votre créativité sera mise à l'épreuve. N'hésitez pas à proposer des idées novatrices. Et enfin, pour finir, les natifs du signe Poisson, vous devriez faire confiance à votre intuition pour prendre des décisions importantes. Nous sommes à la fin de cette rubrique. À bientôt. Merci à vous, Diane Kouagou, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Est-ce que vous croyez aux prévisions astrologiques, vous? Oui. Vous y croyez? Oui. Et quand vous expérimentez ça souvent, qu'est-ce qui vous arrive? De bonnes choses, parfois de mauvaises choses. En fonction des prédictions, c'est ça? Atifa? Le message des nerfs, c'est pas toujours vérifié. Hein. Parfois, on vous prédit une belle journée, mais après, c'est une journée merdique. Mais c'est le site auquel vous êtes abonné qui fait ça parfois? Ça dépend. Peut-être bien. Peut-être bien.
Vous suivez les horoscopes quand? Le matin ou l'après-midi? Le matin. Le matin. Très tôt. Oui. Très tôt. C'est-à-dire quoi? À 4 heures? À 5 heures? À 5 heures. À 5 heures. On réveille, je lis toujours. Donc vous réveillez tous les matins à 5 heures? Ouais. C'est très heureux de l'apprendre. Merci à vous, Atifa Lafa. Restez avec moi. À présent, on appelle en plateau Anaël Do, Kanté Amoussou et Carles Kitoumé pour le panel de discussion. Le panel de discussion, il est 8h11 à ma montre. Nous sommes à présent avec Carles Kitoumé qui nous a rejoint. Bonjour à vous. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous Anel Dou. Bonjour à vous Abdelkader. Je commence par copier le style de Carles Kitoumé pour le panel de discussion. Je suis habitué. Ça, c'est pas être relâche, ça. C'est pas... On n'est pas à la plage. Merci à vous, Kanté Amoussou, d'être des nôtres ce matin. Bonjour. Bonjour Kader. Bonjour à vous également, à nouveau, à Tifa Alafa. Bonjour Abdelkader. Alors, Carles Kitoumé, mais être ami avec une fille que l'on a draguée, qui n'a pas accepté nos avances, on est pour ou contre? Pour. Pour. Oui. C'est-à-dire, lorsqu'on a tenté que non, ça va marcher. Pas parce qu'on n'est pas sortis ensemble qu'on devient des ennemis. On devient des ennemis. Il y a des qualités chez l'autre, on peut toujours faire des choses ensemble, on peut se fréquenter, on peut être ami. Parce que tant qu'on n'est pas dans une relation amoureuse, nous pouvons quand même avoir une relation amicale. Amicale, qui on ne sait jamais peut encore redéboucher on sur nos anciennes jamais, espérances. Qui vit d'espoir ne meurt pas. Qui vit d'espoir ne meurt pas. Ah, tu vois, vous, lorsqu'on vous fait des avances et que ça ne marche pas, qu'est-ce que vous devenez? Rien. Chacun continue son chemin. Chacun continue son chemin. Vous ne devenez plus amis. Pourquoi? Si j'ai des sentiments pour un gars ou bien... Ah, vous allez avoir des sentiments pour un gars? Pour quelqu'un et que je contextualise le oui, sujet en fait. Je contextualise aussi ma question. Oui. Je ne peux pas draguer quelqu'un et puis la personne me dit... Donc vous draguez des gens en fait? Vous arrive. C'est une parfois. Façon de c'est parler. C'est souvent les femmes qui draguent. Je ne peux pas faire des. Est-ce que vous avez parfois de draguer quelqu'un et puis. Est-ce que vous arrivez de draguer parce que. Laissez-moi pousser. Moi, ce matin, je suis peut-être curieux je de savoir. Je ne peux pas être en train de. Est-ce que quand la femme drague, est-ce qu'elle se met au bord du trottoir? Laissez-moi poursuivre. Je ne peux pas être en train de draguer quelqu'un et qui refuse et qui me dise qu'on reste amis. Pourquoi on va rester amis? Pourquoi vous allez rester? Moi, je ne veux pas être avec lui en tant qu'ami. Je veux être avec lui en tant que quoi? C'est soit je sois avec toi, soit nos chemins se séparent. Pourquoi on va rester amis si on ne peut pas rester ensemble? Tu veux pas être ensemble? Non, pourquoi? Non. Okay, d'accord. Anaël, vous? Je trouve que c'est l'opportunité pour l'homme et c'est le piège pour la femme. Parce que une amitié, je l'ai draguée, elle a refusé. Et si je dois être ami, c'est l'opportunité pour moi parce que je pense que c'est la seconde chance. Si aujourd'hui elle me dit non, et qu'elle me permet d'être son amie, c'est clair. Donc, de l'amitié, il peut découler beaucoup de choses. L'amitié, c'est une permission. Je vais atteindre mon acquise. C'est clair. C'est quand la femme permet. Elle peut refuser les avances et refuser aussi l'amitié. C'est ça, je dis. Si elle le permet, c'est l'opportunité pour moi maintenant d'avoir ce que je voulais, mais pas en prenant par une autre route. Par d'autres canaux. Qui sera peut-être un peu plus longue, mais j'y arriverai. Mais si elle dit non, c'est qu'elle a évité ce piège. Elle a évité ce piège. La Quentin, pour vous? Chez moi, c'est pas possible. Je ne me contente pas du peu. Si c'est que ce que je veux, c'est me mettre en relation avec elle, je ne vois pas en quoi ça devient opportun d'avoir une relation avec elle. De devenir ami, de pouvoir manger des arachides ça ensemble. Ça n'existe pas. Si ça de mettre des films ensemble, de demander ce qu'on a mangé le matin, des questions grossesses parfois. Non, mais enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, vous êtes à c'est quand même fou. Hein. Ouais. Comment aimer quelqu'un, puis tu déclares ton amour à la personne et la personne te dit non, je préfère qu'on reste amis. On va rester amis pour faire quoi? Mais ce qui parfois choque certains jeunes, c'est que parfois, après de longs efforts, après des nuits interminables de conversations, après des échanges parfois très houleux, après avoir nourri le conquérant d'espoir, finalement on lui dit je préfère être ami. Est-ce que vous, lorsque vous sentez dans une telle situation, est-ce que vous maintenez, vous recevez la pêche qui vous est tendue là? Non mais l'amitié, il y a des principes pour l'amitié. On est ami avec des gens qu'on apprécie. On peut être ami avec des gens pour qui on n'a pas de relation, avec qui on n'a pas de relation amoureuse. Donc l'amitié est basée sur des valeurs. Si la personne a certaines valeurs, oui, mais quelqu'un qui vous fait languir, qui vous fait croire que ça va, et qui, donc, il n'est pas sincère. Donc, celui-là, il ne faut même pas en faire un ami.
c'est pas quelqu'un de fréquentable. Mmh. Il faut fréquenter les gens qui sont francs, qui sont sincères. Lui, c'est un hypocrite, c'est un sournois, et il va vous mener finalement dans un trou. Ça, c'est sûr, c'est garanti. Il peut vous dire simplement que bon, il ne peut pas, la relation amoureuse ne peut pas marcher. Et on ne décrète pas l'amitié non plus. L'amitié ne se décrète pas. Pourquoi il va dire on va rester amis? L'amitié, ça se crée. Ça se nourrit. Mais qui crée l'amitié? Non, c'est une affaire. Dans ce cas d'espèce. C'est une affaire de compatibilité. Dans ce cas d'espèce, il n'y a pas d'amitié à créer. Parce que je suppose que vous avez connaissance que la personne a des sentiments pour vous et vous fait des avances. Oui. Mais vous dites non, je préfère qu'on reste amis. Ok, tu acceptes que vous restiez amis. Oui. Mais dans le même temps, tu te confies à lui, tu le considères comme un ami. C'est pas quand tu es obligé d'être son ami. Tu lui confies des petits trucs. Il peut prendre par là pour changer de méthode d'approche. Pourquoi pour pas changer de canaux de trucs. La vie est dynamique. La vie est dynamique. Donc, tout peut arriver dans la vie. Mais c'est un ami, c'est quelqu'un en qui on a au moins un brin de confiance. Donc, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas sortis ensemble que je ne peux pas avoir un brin de confiance en vous. Même, vous savez, parfois on devient des amis de son ex, il n'y a plus rien de relation amoureuse. Mais on est très amis, on est fidèles, on fait des... Moi, j'ai été le témoin ami de son ex. J'ai ça, été le ça, témoin je de suis mariage pas contre. D'une fille avec qui je suis sorti pendant 4 ans. Mais du moment où vous savez que la personne a des sentiments pour vous... Attendez, si vous pardonnez, car oui. Si vous dites quelque chose d'assez important quand même. Vous sortez avec la fille oui. pendant un bon moment, oui. vous devenez ex, quand on dit exit, c'est-à-dire que vous n'êtes plus de la relation. Mais il n'y a jamais eu la guerre. Mais vous gardez des relations saines. Saines. Comment cela arrive? Comment ça se passe? Non, mais il faut savoir faire de l'aide. Est-ce que cela n'est pas dû parfois à la cause de la rupture? Bon, ça dépend. Quand la rupture parce qu'il y a, se fait dans de bonnes conditions, il y a des ruptures qui se font sans animosité. Oui, si c'est une rupture évidente, par exemple, vous n'êtes pas compatible sur le plan sanitaire, ça c'est acceptable. Non, lorsque c'est une rupture qui est due vous pouvez même comprendre à une trahison. Thalès Kétomé, là c'est un exemple que vous avez eu à donner. Si vous avez vraiment aimé cette fille-là, vous êtes sûr que vous serez son témoin après? Oui, j'ai été sûr. D'accord. Est-ce que toutes les relations que vous avez, vous êtes devenu ami avec celle-là? Non, aucunement. Je l'ai dit au départ que l'amitié ne se décrète pas et l'amitié se crée. C'est une affaire de compatibilité. Oui. Je ne suis pas sûr que je sais. Le mari sait que mais restez amis avec son ex. Anel Do. On parle d'être ami avec une fille que l'on a draguée, qui n'a pas accepté. Est-ce qu'on est pour ou contre? Et là, on parle forcément de l'amour et de l'amitié. Pour vous, l'amour, c'est quoi? On y revient encore ce matin. Pour moi, l'amour, dans un premier temps, dans son esprit. Comment il se manifeste? Comment vous vivez l'amour, vous? Comment je vis l'amour? Vous le vivez? Oui. Vous êtes amoureux? Clairement. J'aime une femme et je suis avec elle. La seule, vous aimez ou bien vous aimez deux? On n'aime pas deux, je l'aime. Vous seul. L'aimez. Alors, comment cet amour-là se manifeste en vous? Et comment vous ressentez cet amour-là qui vous est exprimé? Vous savez, l'essence de l'amour pour moi, c'est... Vous avez donné une citation aujourd'hui et quand vous étiez en train de parler de cela... Vous revoyez avec votre partenaire dans votre relation amoureuse? Il a manqué un mot que vous n'avez pas dit. Lequel? Qui est le socle de tout, c'est la tolérance. Vous ne l'avez pas souligné. L'amour pour moi, c'est de la tolérance. Ça veut dire qu'on ne doit pas se... On n'est pas forcément... On n'aime pas tous les comportements de l'autre. On peut être tolérant, ne pas accepter la complicité. On est très complice, c'est clair. Mais quand vous êtes tolérant, vous voyez qu'il y a des choses que l'autre fait et que vous pouvez taper l'œil. Il y a des choses qui ne sont pas... Bon, l'autre ne doit pas forcément... Alors, pour vous, l'amour. Revenons en quelque sorte à notre thématique. L'amour, oui. Puisque pour pouvoir mieux aborder cette thématique, il faut quand même faire l'interrelation entre l'amour et l'amitié. Vous savez, déjà, au niveau de la thématique, quand le terme est comme ça, quand on voit la thématique. Non, ça, la thématique, à la base, le libellé, vous allez vous voir Francis tout à l'heure pour lui en parler. À la base, je ne drague pas une fille parce que j'ai un amour fou pour la fille. Mais on peut sortir avec une amie par la suite. Je désire. On peut sortir avec quelqu'un qui en a. Alors là, je parle de la méthode. Vous savez, déjà, quand vous dites je veux draguer une fille, vous allez voir, c'est clair. C'est plus facile de devenir ami avec une fille que de devenir son gars. C'est plus compliqué. Attendez. C'est pour que l'on soit sur la même longueur d'onde. Donc, on peut la faire savoir. L'amitié, c'est quoi? Ça peut arriver. L'amitié pour vous, c'est quoi? L'amour, c'est quoi? La différence entre l'amour et l'amitié, c'est quoi? Voilà. Dans ce cas-là, l'amour dont on parle, c'est que, bon, je suis avec... Il y a une seule différence. Là, vous écrivez ma question. Regardez, il y a une seule différence. Hein. On ne couche pas ensemble, c'est tout. C'est la seule différence. C'est la seule différence. C'est la seule différence. La
seule différence alors, là, quand concernant quand ce thème, c'est que je veux être avec la personne. On peut pas rester ensemble. L'amitié et la personne refuse. L'interrelation qui subsiste entre l'amour et l'amitié. Pour vous, entre l'amour et l'amitié, qu'est-ce qui est plus grand? Qu'est-ce qui est plus passionnant? Je ne trouve pas de différence. Autant tout ce qu'il y a comme valeur à maintenir en amour, on peut, enfin, on doit les maintenir également en amitié. L'amitié, elle est une autre relation. Mais pour vous, est-ce que l'amitié absorbe l'amour ou l'amour part de l'amitié? Ou bien, quelle est l'interrelation qui subsiste entre les deux pour vous? Ça peut être vice-versa. On peut partir de l'amitié pour déboucher sur l'amour. C'est possible. Mais dis tout de suite que... Mais il est souvent dit que l'amour, très généralement, ne font pas en amitié. Si vraiment il y a eu de l'amour. Justement, c'est pourquoi je dis à Kales Kitome que je ne suis pas très sûr qu'il ait vraiment aimé cette fille-là. Ah bon, tu prends mon cœur? Non, mais je ne vais pas rentrer dans mon cœur. Je ne vais pas me retrouver à ce niveau. Mais ce que moi je dis, c'est quoi? Lorsque vous aimez réellement une personne, lorsque vous êtes vraiment tombé amoureux, Kales Kitome, ce n'est pas facile de redevenir ami avec cette fille-là. Ce n'est pas possible. Il faut la détester. Après. On ne dit pas la détester. Personne n'a dit. Personne n'a dit. Non, mais attendez. La haine, là, c'est tout à fait à côté de c'est l'amour. Pas de la haine. L'amour, c'est des sentiments très, très voiles. L'indifférent. Tant que vous n'êtes pas indifférent à quelqu'un, c'est que vous avez un point d'amour pour cette personne. La personne que vous haïssez, c'est parce que vous aimez la personne et que vous n'avez pas accès à cette personne que vous la haïssez. Mais ça, c'est votre définition. Non, c'est pas ma définition. C'est si. Ça, c'est naturel. Que si, parce que moi, je ne vois pas les choses de cette manière. Le seul contraire de l'amour, c'est l'indifférent. S'il n'y a pas indifférent, c'est qu'il y a de l'amour. De mon côté, je trouve que c'est bien possible. C'est très possible d'être dans son cas. Juste que le problème, le bémol pour moi, c'était est-ce que le partenaire de la femme savait. Mais il sait. Comme le partenaire sait, c'est que le partenaire est susceptible de. Non, mais ça veut dire qu'à un moment donné, ce que vous voulez a changé. Vous ne voulez plus de l'amour, vous voulez de l'amitié. C'est pour maintenant. Ça que je vous dis à la base. Et chacun a on ne drague pas forcément une femme, parce qu'on est un homme. Ah bon, vous, ça... vous la draguez pour quelle raison? Non, quand vous voyez une fille circuler dans la rue, c'est parce que vous avez un amour fou pour la figure. Non, vous, c'est pour les silhouettes. Non, ce n'est pas ça. C'est pourquoi? Mais je vois une femme, elle est belle, je la désire d'abord. C'est ce qui me pousse à aller vers elle d'abord. Après, l'amour va se créer. C'est pour ça que je dis que quoi? La fille qui vous voit comme ça, la fille déjà se dit, bon, il vient pour me draguer. Vous allez voir, elle va mettre les barrières nettes. Et c'est pour ça, c'est difficile pour vous parfois. C'est pour ça que quand vous allez la draguer, elle va vous dire, non, je ne veux pas de... Non, de, c'est pas ça. Les femmes de l'humain, c'est elle qui veut. C'est elle qui met tout le système en place, mais c'est elle qui dit non. Qui fait le dos rond. Pour moi, quand vous partez de l'amitié, je peux vouloir sortir avec Atifa ou Alafa. Je sais que je m'en. Vous avez des ambitions? Non, je n'ai pas des ambitions. Atifa, non, pas, ça peut arriver, c'est naturel. Ouais, mais non, il est beau. Un peu plus ouais, énoncé, sinon, je suis ta grande sœur. N'empêche, hein. Non, peut-être en taille. Si je veux draguer Atifa ou Alafa, je sais que bon, si je vais vers elle directement, elle peut me bloquer. Je pars de l'amitié, je crée une amitié. La fille va vous dire plus oui à une amitié. Qu'à une relation, premièrement. Quel type d'amitié vous voulez? Allez jouer au bifoot ensemble. Quand vous dites, je veux prendre ton numéro juste pour qu'on soit amis, elle va plus. Elle va plus. Allez vous gambader dans le sac. Lorsque l'amitié est sincère, et cette relation-là a eu le temps d'évoluer. Ce que vous dites, c'est que vous demandez à ce que la personne devienne votre petite amie. Ça ne vient pas aussi facilement. Déjà sur notre thème-là, il n'y a aucune sincérité au début. Là. Parce qu'on dit, vous voyez la fille, vous la draguez, elle refuse. Et si vous êtes capable de devenir son ami, rien n'est encore sincère. On se voit là. Je te drague, tu dis non. Mais Anaël, c'est pour vous. Anaël, la drague d'une femme n'est pas un décret qu'on obtient. C'est pas un décret que l'on signe. C'est un processus pour draguer une femme. Il peut arriver à un moment donné que celle que vous avez rencontrée, dont vous avez pris le numéro, que vous voulez draguer, au fil du temps, votre amour se bonifie. Vous la draguez tout parce comme... qu'elle le permet. Voilà, il faut le dire, c'est parce qu'elle le permet, si vous pouvez draguer personne. Oui, si elle ne permet pas, il n'y a pas de drague. Donc, on n'est même pas dans le cas. Oui. Alors, dans le cas d'espèce, dans le thème que Francis vous propose ce matin, c'est que vous avez effectué la drague, vous avez abouti le processus, mais il y a non qui est sorti. C'est-à-dire, on vous a rabougré. On vous a dit, c'est impossible. Est-ce qu'il vous est possible, après avoir reçu ce camouflet-là, de redevenir ami avec cette personne? C'est ce qu'on veut savoir. C'est-à-dire, je donne un exemple simple. Anaël Dohou rencontre une Harmonie Popoya, par exemple. Il lui fait la cour, il la drague. Et jusqu'à la fin, Harmony Popoya dit, non, Anaël Dohou, je ne veux pas de toi. Ta tête est très grosse. J'aime pas les hommes d'Adia. J'aime pas le nez de cette façon-là. Elle vous dit non. Et lorsqu'elle vous dit non,
vous devenez amis? Vous voyez dans ce cas... Non, c'est yes or no question. Yes or no question. Vous devenez amis? Bon, là, vous argumentez tout. Ah, tu fais la fin. Vous avez la parole. Vous prenez cela, moi, par exemple, quand vous prenez ça, pour moi, quand vous allez dans la drague, quand je veux draguer une fille, et que vous avez dit, ce n'est pas à chaud, et que ça doit prendre, c'est un processus, c'est que je deviens d'abord son ami avant d'y aller. Et vous savez, c'est très facile pour une femme avec qui vous développez... Est-ce que vous n'êtes pas dans une confusion? Non. Parce que lorsque vous voulez draguer, les pas et gestes... Quand les faits on veut draguer, gestes... la fille, on dit je te drague. Non, mais on met en place un système. Attendez, oui, savez, la mise en place du système montre que vous n'êtes pas venu pour une amitié. Voilà. Ça fait... dépend. Parce que... Ah, tout est relatif. J'en connais qui font tout pour être ami d'abord. Et après, comment ça glisser les balles? Généralement, je crois qu'il y a une nuance à faire. Lorsque, par exemple, je rencontre quelqu'un et que la personne commence à me draguer, je lui dis, Comment vous draguez-vous? Ça commence par quoi? Les imitations? Lorsque vous rencontrez une personne... Oui. À quel moment la drague commence? Lorsque vous rencontrez une personne... Laissez-moi pousser, oui, parce que je risque de perdre mon argumentaire. Non, vous ne pouvez pas perdre le fil. Lorsque la drague commence... Abdelkader, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Je pourrais répondre à votre question plus tard. Vous savez, lorsque vous rencontrez une personne... Lorsque vous rencontrez une personne et que la personne vous drague, et vous dites à la personne, comment? Je préfère qu'on reste amis. Ça, c'est bien plus clair. Mais lorsque vous êtes déjà amis et que c'est pendant l'amitié que la personne tombe amoureuse ou a des sentiments pour il vous, il va se relever de son là, amour. Franchement, c'est si compliqué. Tombe, il se relève. Comment? Vous savez, la femme, la même femme qui vous laisse en amitié la draguer, ça peut finir mal parce que cette relation n'est pas basée forcément sur l'amour. Ça dépend. Non, mais attendez, c'est un peu... À la longue, on se dit, c'est mon ami, il me connaît le mieux, ça peut matcher et tout. Mais ça finira toujours mal. Quand c'est bien fait, je trouve que quand c'est bien fait, vous n'allez plus lui dire, je te drague avant que vous... Mais non! Lorsque vous aimez quelqu'un pour son argent, c'est du profit, n'est-ce pas? Lorsque vous aimez quelqu'un pour peut-être... saboter, c'est de l'attirance. Lorsque vous aimez quelqu'un, peut-être pour son intelligence aussi, c'est tout autre chose. Alors, à quel moment l'amour vif se manifeste pour vous? Ah, je ne saurais le dire. Étant donné que c'est un sentiment indéfini, un sentiment indescriptible, on vit l'amour. Alors, quel est le dispositif qu'on met en place lorsqu'on veut draguer une femme? Ça dépend de votre force. Parce que j'ai posé la question à Tifa Olafa, à qui peut-être... Tout le monde ne sait pas draguer. Tout le monde ne sait pas draguer. La tactique d'Anaël de Houpet... Je ne peux pas répondre, je dis juste quelque chose. La tactique de drague d'Anaël Dohou ne peut pas être forcément pareille que celui de Quentin Amoussou. À quel moment... Non, vous ne répondez pas. Kales, à quel moment... On sera discipliné. On sera discipliné, s'il vous plaît. Kales, qui ne peut pas répondre... Il vous a dit ça? Il a dit qu'il est... Vous voulez un coup de poing? Je trouve que le moment où cela débute, c'est le moment où vous êtes capable de renoncer à des choses qui vont... C'est en ce moment que vous commencez pas à draguer. Non, c'est en ce moment de l'amour. Est-ce que vous êtes dans son cœur? L'amour véritable. Quand est-ce qu'il tombe? Je crois que vous voulez avec Quentin. Mais il faut vite dire, il faut le stopper. Mais lui là, il ne veut pas me laisser parler. Il faut trouver un autre moyen pour le laisser. On est sur le terrain de l'air. Chacun veut dire des choses. Comment vous faites? Non. Un dispositif carrément. Vous sapez? Même pas. À partir du jour qu'un homme dit à une femme qu'elle est belle, il a commencé à la draguer. Et... Moi, je dis ça. Non, vous êtes un petit délinquant. C'est clair. C'est la réaction de la femme qui ouvre la porte. Quand il dit, vous êtes belle, et vous réagissez d'une certaine façon. Comment elle doit réagir pour laisser libre cours? Bon, je vais vous dire une chose. Tout est dans le regard, tout est sur les lèvres. C'est l'écran, en fait. Oui, c'est l'écran. Oui, non, je dis. Vous savez, même si vous y connaissez un peu, quand vous êtes face à une femme qui a envie de faire l'amour, vous le savez. Comment? Il suffit seulement de la regarder. Ses paupières clignent. Non, il faut bien la regarder. Qu'elle sourit. Et qu'elle sourit. Le sourire, c'est un code. Quand on dit vous êtes belle à une femme, son sourire vous dit Quand le sourire, c'est avec les dents ou ce sont les joues qui se gonflent? Plus c'est bon les dents, plus c'est bon d'envie. Je ne suis pas d'accord. Quand tu es belle à une femme, elle va miner.
Forcément, non, elle doit sourire. J'ai dit le sourire. Ce n'est pas normal. Dites, vous êtes belle à Tifa, on va voir comment elle va sourire. Si vous me dites que je suis belle, forcément, je vais sourire. Non, moi, je ne peux pas. Je ne vais pas dire à Tifa qu'elle est belle. Non, je ne vais pas dire à Tifa qu'elle est belle. Vous avez dit quoi? Je vais dire, non, si vous m'avez dit à quelqu'un qu'elle est belle dans ce studio ce matin, c'est Salimat. Ah, c'est qui Salimat? Ah, vous allez la découvrir. Ah, voilà, voilà. Attendez, il y a de la beauté Salimatale. Seulement hier. Il faut pas Bon. Ça vous a fait un effet. Vous avez. Alors, on parle d'amour. On parle d'amitié. Non, d'accord. Salimat existe bien chez les Badarous. C'est quand même un nom qui a été donné en baptême à une charmante fille. Alors, je me retrouve vers vous, Kanté Amoussou. On parle de drague. Car est-ce que tu me disais tout à l'heure que dès l'instant où vous dites à une femme qu'elle est belle, c'est que vous avez actionné le levier pour la draguer. Alors, pour vous, à quel moment vous déroulez le tapis de votre drague? Est-ce que vous vous retrouvez à vous défiler, à vous mettre sur vos 31? Est-ce que c'est à travers une invitation au restaurant que vous, votre drague, commence, ou bien c'est à travers un long discours envoyé via WhatsApp, TikTok, Messenger, ou bien c'est en faisant des vidéos envoyées. Vous, à quel moment le point d'ancrage de votre drague se situe? Alors, moi d'abord. Il veut mentir. Le fait de racler la gorge, il ment. Un garçon. Vous aussi, vous avez menti tout à l'heure. Hier, vous avez menti aussi. J'ai pas menti. Elle a menti hier. Quand vous avez parlé, sa réaction a montré qu'elle a menti. Ce sourire-là est approbateur. Il est approbateur. Non, votre sourire vous démontre qu'hier. Vous avez dit que c'est un professeur. Allez-y. Alors, moi d'abord, avant de draguer une fille, je sais à l'avance si elle va dire oui. Waouh, vous êtes un devin. C'est clair, c'est pas un devin. Je sais, j'ai des mots que j'avance. Et ça me permet. Vous êtes comme l'escargot, vous tâtonnez un peu avec. J'essaie de tâter un peu. Vous envoyez un peu les tentacules. Ça me permet d'avoir une perception de la réponse qui pourrait suivre. Pour savoir un peu est-ce que le sol est humide ou pas. Je suppose que vous êtes proche de la personne. Alors, vous créez déjà. Non, il fait comme l'escargot, vous voyez, l'escargot l'envoie. Visiblement, nous sommes entourés de délinquants. Alors, pour commencer, il y a plusieurs méthodes. Moi, la plupart du temps, j'essaye de, si c'est qu'elle est en face de moi, tout de suite, j'essaye de l'observer et puis j'arrive à décréter un petit aspect et c'est avec ça que je la complimente. Quel petit aspect, par exemple? Les dents enchevêtées, le nez épaté, les yeux éjectés de sang? Non, mais j'essaye quand même de trouver quelque chose tout de suite. Non, pas forcément le front. Parce qu'il y a des femmes qui ont un gros front, parfois. Même si elle a un gros front, je vais trouver le moyen de lui dire que, en fait, c'est le contraire. Que le front est très beau, c'est pour ça que... Forcément, j'essaye de peindre. Et si elle a un petit nez? Tout ce qui est bon et jovial, comment tu fais? Elle a un petit nez. Elle n'est pas une chinoise quand même, elle n'est pas une chinoise. Bon, de toute façon, draguer une fille, c'est pas si compliqué. C'est de là. En tout cas, c'est de là. C'est de là. Et puis, une fille à une autre, c'est différent. C'est comme si vous êtes un photographe, vous prenez une photo. Toutes vos photos ne sont pas belles non plus. Draguer une fille. Mais il y a des photos qui sont encore plus belles. Donc, c'est de la méthode. C'est quand même laissé aux professionnels. On parle du corbeau et du domaine. C'est comme le corbeau et le renard. Il y a des professionnels du domaine. Il y a des professionnels du domaine qui sont peut-être sur ce plateau ici. Vous savez, je pense. Il y a des professionnels qui savent. Non, pas les lions. Pas les lions. Je connais des lions. C'est inscrit sur votre acte de naissance. Donc, on peut vous appeler ici. Mais je ne sais pas si dans ce studio, il y a encore une autre qui s'appelle Itayo. Vous avez tout à l'heure, quand on a dit Salimat, c'est une seule Salimat qu'on a trouvée. Donc, alors, Atifa, vous rencontrez Anaël Dohou qui vous déclare la flamme de son amour. Changez de personnage, s'il vous plaît. Anaël Dohou. Ça vous dirait. Bon, Francis Farami. Ah, ça vous fait... Non, pas Francis. Pas Francis, Kanté Amoussou. Elle veut faire son choix. Bon, vous voulez faire votre choix. Alors, vous rencontrez Jordan, par exemple. Jordan. J'ai pas donné le nom de famille. Jordan Bardella. J'ai pas donné le nom de famille. Jordan Bardella. Je viens. Alors, vous rencontrez Jordan. Mm-hmm. Et Jordan vous déclare sa flamme. Il vous dit, tiens,
vous avez un si beau nez, vous mettez à sourire tout de suite bêtement. Vous avez des yeux qui vraiment, quand ils voient, ils se mettent à couler là. Vous vous mettez encore à sourire. Ben ouais, hein. Et vous dites, tiens, votre silhouette, continuez. Vraiment, hein, lorsqu'il l'observe, vraiment, il a envie parfois d'avoir des images de vous pour peut-être se remémorer de votre personne en privé. Et il vous sert totalement un discours qui vous agrée. Mais parce que vous êtes peut-être en relation avec Douanel ou peut-être avec Quentin Moussou, vous dites à Jordan que c'est pas possible. Alors lorsque vous dites à Jordan que c'est pas possible, est-ce que vous pouvez accepter être qu'il soit votre ami lorsque vous savez que lorsque vous conversez avec lui, il vous apporte la bonne conversation avec lui, votre morale descend. Je ne pourrais l'accepter comme ami. Je ne pourrais l'accepter comme Pourquoi vous ne pourriez l'accepter comme ami? Parce que dans sa façon de me draguer, je peux déjà dénoter si c'est quelqu'un qui veut juste tirer un coup. Il est là pour du sérieux. Quand vous savez qu'il veut tirer un coup? Ou truc là. Ça dépend de la tactique. Il y a plusieurs manières de draguer. Quel est le type de tactique là qui sont pour tirer un coup? Laissez-moi poser. Je ne peux pas répondre à ça. Vous recevez des dossiers? Je ne reçois aucun dossier. Mais vous étudiez déjà. Dans la façon de draguer, vous pouvez savoir si la personne est vraiment sincère, s'il est là pour du sérieux ou s'il est juste de passage ou bien si c'est juste quelque chose qu'il a attiré chez vous. Mais généralement, est-ce qu'il peut vous arriver en tant que femme de dire, bon, tiens, celui-là, j'ai envie de faire deux coups du soir avec lui, lui, j'ai envie de faire un coup du soir avec lui, bien, lui, je veux faire de lui l'homme de ma vie. Est-ce que vous avez parfois de faire ces choix-là? Bien sûr. Alors, lorsque vous faites le choix que celui-là, je le veux pour un coup du soir, est-ce que lorsque lui veut, pour l'éternité, est-ce que vous pouvez profiter de ça et après le zapper? On fait ce qu'on a à faire, on passe à autre chose. Vous faites ce que vous avez à faire, comme quoi? On passe à autre chose. Manger, boire, tout. Manger, boire et tout. Vous voyez que ce qu'elle dit, merci. C'est le contraire de ce qu'elle disait. Merci à vous, Atifa. Laissez le panel d'hier. Merci, Carles Kitomé, Anendo, merci. Quentin Amoussou. Je ne sais pas, vous mettez tous les organes dans mes propos, dans mes arguments. On va boucler avec un dernier tour, Carles Kitomé. Alors, donc pour vous, on peut être amis, même si l'initiative de sortir avec une femme n'a pas marché. On peut rester amis. Oui, tout à fait. Et avec beaucoup de joie, parce qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble, à ne pas coucher ensemble. Alors, pour vous, coucher ensemble, c'est quoi? Coucher ensemble. Quand vous êtes en amour, vous devez coucher ensemble. C'est le socle de l'amour. C'est la différence. L'amour, c'est basé sur ça d'abord. Vous couchez ensemble. Et ça, c'est la différence. Tout le reste, on peut s'apprécier, faire beaucoup de choses sans coucher ensemble. Mais on peut faire beaucoup de bonnes choses ensemble. Et je crois même que quand on est un ami, c'est plus facile de faire des affaires que quand on est en amour. Alors, Analdo, pour vous, coucher ensemble, c'est ce qui matérialise la différence entre l'amitié et l'amour. Alors, lorsque la femme dit non, comment vous sentez déjà d'accord quand on vous dit non? Généralement, on ne me dit pas souvent non. On ne dit pas souvent non. Comment vous y prenez? C'est sûr qu'il y a des amis internes qui veulent savoir. Hein? Avant de draguer. Oui. Vous faites comme Quentin, vous tâtonnez le terrain d'abord, vous jaugez. Je ne me lève pas du tout non, pour draguer une femme. C'est vous avez parlé d'un processus. C'est ça que je disais, qu'il y a des professionnels sur le plateau. C'est tout un processus. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a des professionnels sur le plateau. La femme est très sensible au mot. Sensible à quel mot? Au mot, ça dépend les mots, de la femme. Non, toutes les femmes sont sensibles. Ça dépend de la femme. L'homme est sensible. Quand est-ce que là, vous ne parlez pas aux femmes que vous avez connues dans votre jeunesse il y a 30 ans, 20 ans, parce que là, je peux peut-être m'inviter dans le débat. Les femmes d'aujourd'hui, elles sont sensibles à l'argent, pour la plupart. Je ne dis pas non, mais vous savez, il y a des mots qui déstabilisent tout être humain, homme ou femme. Il y a des mots qui vous déstabilisent. Vous perdez vos moyens pendant un moment. Et quand vous la mettez dans cette routine, c'est qu'avec vous, elle a de l'agréable, de la bouche à chaque fois. Donc, attendez, à vous, on vous dit très rarement non. Mais quand on vous dit non, là, la rare fois on vous dit non, quand vous sentez. Okay, je me souviens plus de la dernière fois. Mais il est arrivé une fois où une femme vous a dit non? Non, je me souviens plus parce que la dernière fois où j'ai dragué une femme, ça remonte à au moins 6 ans. Attendez. Ça dépend à quel âge vous avez commencé. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Je suis d'accord. Il faut répondre à l'histoire là-bas pour lui faire comprendre qu'il y a des gens qui ont commencé le sexe à 9 ans, d'autres ont commencé à 12 ans. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Je suis dans une relation qui est. On peut avoir 24 ans.
et avoir peut-être 12 ans d'expérience sexuelle ou peut-être 14 ans d'expérience sexuelle. Non, on ne parle pas d'expérience ni d'âge. Il faut respecter d'autres choses. On ne parle pas d'expérience sexuelle. Puisque vous dites que le sexe est ce qui différencie l'amitié d'une relation amoureuse. Alors, vous prenez à cœur ce débat-là, Kader. Alors, Anel, ma question que je vous posais tout à l'heure et que vous esquivez depuis, vous dites, on vous dit rarement non. Alors, quand on dit rarement non, ça veut dire qu'il est arrivé une fois qu'on vous a dit non. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du zodiaque, vous êtes lion. Lorsque vous êtes lion et qu'on vous dit non, comment vous vous sentez, le lion, lorsqu'on dit non? Je suis un lion, je suis un roi. Donc, je suis un roi. C'est pour ça, déjà, je dis, on me dit rarement. Mais quand vous dites non. Quand on me dit, quand ça vient, est-ce qu'on me dit non? Quand vous dites non, vous devenez. C'est là, je change d'aspect. C'est-à-dire, maintenant, je deviens. Vous n'avez pas la question. On finit par avoir. Vous devenez. Alors, Kanté Amoussou, pour conclure, donc, pour vous, c'est impossible pour retenir que celle que vous avez voulu draguer, ça n'a pas marché, vous ne pouvez pas redevenir ami. C'est impossible. Pour vous, c'est impossible. Parce que, avant d'aller la draguer, c'est que je l'aime. Oui. C'est que vous avez des ressentis. C'est que j'ai des ressentis, j'ai des sentiments pour elle. Moi, c'est et si c'est le cas, je ne vais pas me contenter du peu. Mais quand tu es amoureux, vous êtes ami avec une fille qui l'a draguée. J'ai laissé le coup. Justement, j'ai dit, si j'ai des ressentis pour elle. Alors, quand tu es amoureux, est-ce que la volonté de refuser l'amitié là ne dénote pas d'une question d'ego? Non, parfois le fait qu'on a la bêtise, le fait Et tout ce qui est, disons, handicap, il faut en faire forcément un atout. Forcément. Il pointe donc, de la haine. Non, c'est parce qu'il est bête. Il devient haineux. Non. Quand il drague et puis la femme le dit non, il devient haineux. Et des fois, le non n'est généralement pas sincère. Non, quand elle dit non comme ça, c'est faux. Et la même femme qui va pouvoir l'insulter. La même femme à qui. Je vais vous dire une chose. La même femme qu'ils ont dragué, la même femme qu'ils ont complimenté. Vous buvez ça. On finit par l'insulter. Je vais vous dire une chose. C'est méchant. La femme refute violemment ce qu'elle désire ardemment. Donc si la femme vous dit un nom franco là, elle a menti. Alors, vous savez pourquoi la fille là a dit non? Elle m'a dit après qu'elle a dit non parce qu'elle a su que je n'étais pas du tout sincère et tout ce que je raconte. Il y a quand même une dichotomie entre l'expérience que vous partagez avec nous ce matin et ce que vous affirmez. Après avoir reçu le non, vous avez accepté quand même dialoguer avec la fille. Jusqu'à savoir. Il se fait appeler bébé même. Oui. Dans les communes. Bon, d'accord. D'abord, vous êtes ami et vous appelez bébé. Non, mais attendez. Bébé, c'est juste un nom de passage. Ah bon? Ça n'a rien à voir. D'abord, je ne l'ai pas dragué. Je ne l'ai pas dragué parce que. Une opportunité dans ce sens que quoi? Si je te drague et tu me dis non, et tu me vois rôder autour de toi pour devenir ton ami. Il faut savoir que c'est le plan B maintenant pour t'avoir frère. Justement, c'est de la méchanceté. Lorsqu'on vous dit non, prenez votre chemin. Elle va dire que vous êtes bête. Alors, j'ai pas dit ça. Lorsque vous me draguez et que je sais que peut-être je suis en relation avec quelqu'un d'autre ou bien. C'est moi qui ai donné cette illustration là. Je ne veux pas qu'on sorte ensemble. On n'est pas amis. D'abord, avant de vous draguer. Alors, on n'est pas amis. Dans le cas d'espèce où vous désirez l'homme.
Et si on est amis et que vous tombez amoureux pendant l'amitié, c'est vous me faites des avances. Il n'y a plus de tomber forcément amoureux. L'amitié prend coup. Il n'y a plus de tomber et amoureux. Et à la longue, chacun se sépare. Alors, dans le cas d'espèce, vous, Anaël, alors, Atifa va conclure. On peut se voir, se saluer, ça s'arrête là, mais il n'y a plus d'affinité, il n'y a plus de alors, Atifa, ne pas l'amitié, c'est vrai que quand ça ne marche pas en amour, là, c'est catastrophique. Ça devient toujours la haine. Alors, c'est ce que j'ai dit. Alors, Atifa, est-ce que vous, lorsque. Quand ça ne commence pas l'amitié, vous désirez d'un homme. Et qu'il dit non. Pardon? Lorsque vous vous désirez de l'homme et que lui il dit non. C'est son choix. S'il dit non, c'est pas grave. Au moins, moi, j'ai dit ce que j'ai sur le cœur. Au moins, il sait que je l'aime, il sait que j'ai envie de le draguer. C'est qui l'homme qui a dit non? C'est qui l'homme qui a dit non? Pourquoi dit non? Pourquoi il dit non? Un homme ne dit pas non. Comment il va dire non? Ah, je peux pas te dire. Parce qu'elle n'a pas la routine de tous les jours. Je sais qu'il y a des hommes qui disent pas non. Un homme va dire non. Ah, on peut dire non, ça dépend. Moi, je pense qu'il y a des hommes qui peuvent. Il y a des femmes qui vous font peur. Parce qu'il y a quand même de ces trous dans lesquels, lorsque vous rentrez, c'est parti pour pratiquement votre euthanasie. Merci à vous, chers panélistes. On drague parce qu'on veut, quelque chose de sérieux. Si ce n'est pas le cas. C'est faux. On ne finira pas. Merci à vous. On laisse la drague de côté et on va directement au but. Merci. Merci. Attendez, vous draguez toutes les filles avec vous. Voilà, chers amis internautes, c'est la fin du matin. Merci pour l'attention. Merci pour la fidélité à ce programme de sur EZI TV. C'est vous qui m'avez C'est vous qui m'avez Merci à tout un chacun pour l'attention. On se donne rendez-vous. Vous vous arrêtez en pleine conclusion pour répondre. Je vais mettre à la place demain pour conduire cette émission. Portez-vous bien. Merci de programme sur EZI TV. Que Dieu et les mains de nos ancêtres veillent.